tu as, ça sonne. Tu es à la minute près. Tu devrais travailler en Suisse. La montre est là. Tu sais que Rockin' Scott, il m'a dit, comme en Suisse, hein, tu es pile poil à l'heure. Comment tu pourrais justement définir un petit peu la couleur musicale de YC Company? Alors, YC... celle-là, on ne l'a jamais faite. YC Company, c'est double. Hein. Tu veux le sac? Ouais. Pas de soucis. Bon, ça va faire du cut. Du montage. Je suis pas une chanteuse engagée, une chanteuse à texte politique, si tu veux, mais quand même, je m'inscris dans le monde. J'ai... Ah putain, non, je peux pas. Il faut que je recommence, je suis désolée. 43 ans? Ouais. Comment tu te sens dans tes 43? Tu parles pas de la pointure. Non, je fais du 44. 44. Ouais, je fais du 44. Une peinture de plus. Voilà, je me sens comme je me suis toujours. Je me sens depuis 6 mois, 7 mois ou 8 mois. Je me sens un mec qui a 43 ans qui va sur ses 44 en janvier. Pour moi, ça change rien du tout. Ouais. J'ai toujours dit, être malheureux, c'est un état d'esprit. Même si t'es malheureux, ouais. Après, c'est de se morfondre dans ce malheur. J'estime que je suis quelqu'un qui est chanceux. Il y a des gens sur cette terre qui n'ont deux fois pas de quoi manger. Chose qui était mon cas quand j'étais môme. Aujourd'hui, je ne me pose plus cette question. Ça ne veut pas pour autant dire que je suis riche. Donc, j'estime que je suis quelqu'un qui est chanceux, que Dieu a choisi et que je voulais simplement traverser cet album et dire merci par rapport à tout ce parcours. À partir du moment où moi j'ai été mis en avant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens dans l'underground qui n'étaient pas aussi, aussi sympathiques que je pensais et qui se sont mis à me tirer dessus à boulets rouges. Donc ça m'a permis d'aiguiser un peu la vision que je pouvais avoir, qui était très manichéenne, très binaire, l'underground contre les majors, tu vois. Ouais, c'est bloc ce contre bloc. Voilà, exactement, qui est peut-être pas fidèle à la réalité de la musique en France, quoi. Ouais, elle fait partie de moi, cette chanson, donc je l'ai pris comme si c'était la mienne, en fait. Voilà, okay. Tout simplement. Et cette chanson-là, en plus, me permettait de faire passer certaines émotions... voilà, que je pouvais ressentir par rapport à ma mère, donc je l'ai mis dedans. D'accord. C'était très bien pour moi. Salut, c'est Eric sur Stay Tuned. Merde. Yo, Stay Tuned, Chris Prolifique, Harmony, sur... Et merde, je recommence. Hop là. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est bon, ça. Je rebondis. Je vais juste vous donner un mot. Il faudra me dire un petit peu ce que vous en pensez. Le ressenti que vous avez par rapport à ce mot, c'est horizon. Hasard. Flash. Oui, sans réflexion, sans analyse, moi, rien. Salut, c'est Eric sur Stay Tuned. Voilà, mon album Chaillé Corps, disponible dans, chez tous les... Tu vas attendre que le bateau passe? Non, encore ça va, le bateau... C'est marrant. You know, it's I think maybe 5, 10, even 3 years ago, being an independent artist was something different. But now, with the collapse of the record labels and the industry, I think everyone is an independent artist. You know, there's not a lot of artists who are actually attached to major labels or, labels of a big size. So. Mais en fait, si tu le, c'est pas pour donner raison à nos détracteurs, mais c'est vrai que ce morceau-là, si tu le lis bien, finalement, c'est une manière détournée de dire, je suis pas capable d'aller dans le côté cru des choses, ouais. D'être hyper revendicatif.
j'arrive toujours à dire les choses de manière détournée. C'est-à-dire, des fois, j'ai envie de taper du poing sur la table, mais finalement, je finis tout le temps par le dire d'une manière différente. Le poing est ralenti, finalement. c'est même pas qu'il ralentit, mais c'est qu'il percute la table d'une manière toujours un peu différente. C'est une époque. C'est une époque aux États-Unis où la condition des Noirs était quand même très, très dure. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert. Et qui utilisait sa voix et cette expression. Voilà, c'était une voix marquée, en fait. Et je crois que j'aime ça, en fait, les voix marquées qui vont au fond, dans le ventre, quoi. C'est entier, en fait, comme voix. Je suis désolé. Dans quel but je ferais ça? Suivre la tendance, c'est pour essayer de vendre des disques. Pour essayer de coller un truc, pour être dans l'air du temps. T'es d'accord avec moi? À partir du moment où tu mets un disque dans les bacs, c'est pour pouvoir les vendre. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est dans la priorité que tu mets dans tes choix et les buts que tu as. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va recommencer. Hey les gars, personne passe ici. Hein. Ah, c'est bon? Ok. Là c'est bon. Regarde. Ah, mais je préfère prévenir tout le monde, t'as vu? Parce que je vois qu'il y en a un qui va passer au bout d'un moment. Voilà, ça c'est réglé. Ma copine qui est fan de tes émissions. Ah bon? Ouais. Je prends un puits de balader dehors, t'as vu? T'as vu quoi? Je prends un puits de balader tranquillement. Mais ce qui me déplaise, c'est quand il me dit qu'il a une trop belle voix. Ma copine! Toi, toi! Elle est trop belle voix! C'est vrai! C'est trop Je lui dis, mais ouais, mais c'est pas pareil. Parce qu'elle a l'habitude, c'est pour ça. Et je veux savoir si t'avais cette on doit conclure. Ah bon? Bah ouais. Déjà? Et on m'a dit qu'il fallait conclure. Faut faire un deuxième round. Un deuxième round. Bah oui, regarde, t'as travaillé tout ça. Ah ouais, tu vois, c'est recto verso. Moi, je parle beaucoup aussi. Non, mais bon. Si tu veux, tu me poses toutes tes questions, j'essaie d'y répondre synthétiquement. Salut, c'est Eric sur Stay Tune. Voilà, mon album Shy Echo, qui est un album de soul, jazz, caribéen. Voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est disponible depuis à peu près. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouvelle émission, toujours fait. Quelque part dans l'entrain artistique que chacun va y mettre, mais c'est pas le sujet en soi, etc., qu'on aura. C'est vraiment traiter des deux villes, mais de manière pas forcément hyper directe et montrer, tiens, Berlin c'est comme ça, Paris c'est comme ça, et on relie les deux. C'est plus vraiment créer à partir de nos différences et nos points communs. Et justement, toi tu fais de la musique et c'est pas un peu frustrant en fait de se dire que quelque part on est obligé de s'adapter pour vendre quelques disques? Ben ouais, disons que c'est ça. En fait, après, ça dépend des époques, ça dépend des générations, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Mais effectivement, la musique, vu que c'est un domaine qui fait brasser énormément d'argent, c'est un domaine aussi où tu as énormément de pression, où on te dit, écoute, tel morceau, il est pas mal, mais il faut que tu le ramènes plus vers ton public. Ouais, moi, c'est l'OM, hein. C'est l'OM, quoi. Ouais, moi, c'est l'OM. Ouais. Moi, je regarde l'équipe de France, c'est bon, ça me fait... Voilà, je regarde quand je regarde, mais... Mais avant tout, moi, c'est l'OM, quoi. Oh. C'est le patriotisme marseillais, c'est paradoxal, mais... non, mais après, on supporte l'équipe de France, forcément. Moi, je regarde l'équipe de France, mais... Et moi, d'abord, c'est... voilà, mais c'est comme ça. De toute façon, ça se contrôle pas. C'est des sentiments, c'est comme en amour, tu vois. Quand tu aimes quelque chose, ben, ça se contrôle pas. Et l'OM, ça se contrôle pas. But we also have these stadiums that, you know, are probably not going to get used again, and just that money maybe to build a couple hospitals, maybe to schools, you know, but that's, you know. Et tu œuvres aussi auprès de l'UNICEF? J'ai été... C'était juste pour un titre? C'était ponctuellement. Oui, pour l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, l'année dernière. Et d'ailleurs, d'autres artistes sont repartis dans la même direction. Cette année, ils sont avec... Jordana. Camélia Jordana. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Avec une petite lunette et sa petite guitare. Qui est jeune, qui a fait. Oui, c'est ça, qui est jeune. C'est ça.
On peut être sûr de ça parce qu'il y a peu de jeunes qui pètent en vrai. Et d'ailleurs, par rapport à tes textes, il y a le titre d'intro. C'est pas vraiment le titre d'intro, mais le deuxième titre qui s'appelle Il était une fois. Ouais. Tu évoques un peu la dérive qui peut amener. Qui peut. Yes, 1-2. Ouais, donc il était une fois, tu évoques un peu la dérive par rapport à la spiritualité. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. L'argent. Ça, c'est chaud. Voilà un petit univers électro, et puis de la chanson, un peu de rock. Voilà. La base virale a été complètement. C'est un vaste, ça. Non, c'était... Ah, c'est d'accord. C'est de l'échange pur, parce que l'un et l'autre... Enfin, sans lui, je suis rien, je peux pas jouer tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire, l'échange, c'est le dialogue, et la musique, c'est du dialogue, quoi. Peu importe avec qui tu es, peu importe le niveau. C'est comme quand on parle, s'il y a des gens qui utilisent des mots trop compliqués par rapport à d'autres, faut se mettre au niveau, faut essayer de parler, c'est le but, quoi. La musique, c'est pareil. Et avec Joss, par exemple, bah, l'échange, voilà. Joss, il symbolise ça pour moi, parce que ça fait 14 ans qu'on échange la musique ensemble et que ça me fait beaucoup avancer. Donc ça ramène une musicalité et puis voilà. Mais c'est ce que je veux dire en fait aussi par rapport à ton flow, c'est qu'effectivement quand il y a de la musique, quand c'est beaucoup plus musical, forcément la diction aussi s'adapte. Bien, sûrement. Voilà. Mais ça se fait automatiquement. Bien sûr. Voilà. Quand tu travailles avec des musiciens de toute façon, mais t'es pas en train en studio de dire ah putain il faut que je... Tu vois, tu poses comme ça ou tu poses comme ça, c'est que la musique t'inspire ce que tu es et ce que tu fais. En tout cas moi c'est comme ça que je travaille. C'est très naturel. Et j'écris souvent sur la musique. Ouais. J'écris pas avant la musique. Avant la musique. Et puis, quelque part, pour moi, c'est un média social assez pointu dans le sens où tu es limité, dans le sens où devant dessus que les gens qui sont vraiment intéressés, dans le sens où tu ne subis pas les amis des amis, tu vois, où tu n'es pas encombré de spam, de photos, dans le sens où quelqu'un ne te parle pas ou te parle mal, tu bloques et t'entends plus jamais parler de lui. Il faut une certaine maîtrise quand même pour pas que... Au niveau de l'émotion. L'émotion te gagne de trop, quoi. Je me suis retrouvée quand même sur une chanson notamment qui parle de mon petit garçon, parce que j'ai un petit garçon de 5 ans. Et je me suis retrouvée à la fin de cette chanson sur scène plusieurs fois en larmes, quoi. Enfin, en larmes. Au bord des larmes. Au bord quoi. Des larmes. Ouais, ouais. Qui chiale, ouais, excusez-moi. Ouais. Tu veux qu'on demande de rebaisser parce que ça serait cool. C'est pas mal, mais... C'est rock, ça. Merci. Merci. Hein. Salut, c'est Eric. Bienvenue sur TSUL. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est à moi de dire ça normalement. Non, mais bon, ça m'arrive aussi. Je peux vous citer des noms ou... D'accord, très bien. C'est pas tes ça va ça. Un nouvel invité qui s'appelle Mark Shepson. On va recommencer parce que j'ai écorché. Il savait plus quel invité c'était. C'est ça. Je savais, mais je vais pas le dire d'une manière. Là, j'étais accueilli en disant merde, c'est qui. C'est un peu. Ouais, parce que voilà. Donc. Moi, je comprends pas comment les gens peuvent s'endormir le soir sans avoir une pensée pour un pigeon, quoi. Tu vois? Sorry. J'étais bien parti. Je suis mauvais sur les liners. Ok, hop, c'est parti. Salut,
D'ailleurs, t'es passé récemment à la block party Omni Brave. Yes. Dizer. Yes. On est dedans. Super ça. Yes. J'étais surpris. Donc ouais. Diozel, Only Brave, Only Brave, la Only partie. Only the Brave. Only the Brave, exactement. Yep. Je suis prêt. Je vois que toi aussi. Ouais. Moi, je suis prêt. Attention. Le large, serré. Large, serré. D'accord. Oui, bah oui. C'est logique. Stay tuned. MC Jean Gabin, live in direct. Au revoir.